Hey, je vais craquer là. Ma mère, il me fout la rage. Il y a des fous là-dessus. Il dit, je biglais. Et alors, j'ai un problème. J'ai pris un ballon de foot quand j'étais plus petit dans la tête. J'ai dû me faire opérer des yeux. Et alors, ça te pose un problème? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu baisses les yeux devant moi. T'es biglé. Je suis fait le mec parce que j'ai un problème aux yeux. C'est facile de se moquer les minorités. Vous allez dans paramètres. Ah. J'ai une vaginette Bluetooth. Je sais pas si vous connaissez les mecs, c'est trop bien. Quand t'as une copine à distance, t'achètes ça, elle s'achète un god. Et en gros, ça reproduit les mêmes mouvements que tu fais dans sa Schnexer. C'est trop bien. Ça s'achète sur Amazon. J'ai fait ça avec une correspondante allemande. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'attire en moi, mon super? Ouais, le piercing, le sourcil. Djibril Cissé, j'aime bien. Ça fait un style, je trouve. Très joli. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu étais jeune? Que mon père revienne pas quand il va chercher des clopes, en général. T'arrives-t-il de chanter sous la douche? Ouais, ça m'arrive. La nuit est chaude, la nuit est belle, elle est sauvage. Avec ou sans la perruque? Ouais, ça dépend. À une fête de village, je dirais pas non à la perruque. Quel serait ton dernier repas? Au hasard, comme ça, je dirais ta grosse chatte. Voilà, frère, tu vas l'entendre pendant une semaine. Allez, oh, une semaine, frérot. Une semaine, allez, ça arrête, idiot, trop chaud et tout. GG, trop chaud. J'ai un charisme. J'ai un charisme de ouf. J'arrive, les mecs, je lâche. C'est qui lui? Beatman ou. Je peux poser une question? Ouais. T'es une personne normale ou un peu déjantée? Ça veut dire quoi, déjantée? Disjoncté. Est-ce que t'es quelqu'un de normal? Est-ce que tu vas pas me cracher dessus? Ça veut dire quoi, disjoncté? Je pense sur l'avant, on l'avait pris une vente. Moi, je l'avais pris une vente. Non, mais pour toi, je suis d'accord. Mais là, t'as disjoncté avec toi. Au moins, ça devient lourd, quoi. En fait. Allez, dégage. Allez, va dans l'espace. Va te prendre une météorite dans la gueule. Non, mais. Reprise. Attends, tu vas te laisser faire? Et t'as insulté de fils de pote, heureux. Non, laisse tomber. Viens, non, parce qu'on va se griller, Faut pas répondre, justement. Faut pas répondre là. On revoit aux caméras comme j'en accuse. Vas-y, va, on revoit aux caméras. Alors, celle qui regarde là depuis tout à l'heure qui veut faire un procès au cul, c'est ça aussi l'esprit de la Rius TV, c'est savoir donner du baume au cœur. J'ai même de pas rigoler. Fait attention, tu vois, j'ai ici, on n'est pas de premier degré. Ça y est, moi je passe à côté. Je t'invite à faire comme d'autres smuleuses qui sont venues sur le live juste après. Ensuite, ils ont reconnu que voilà, on était là pour rigoler et il n'y avait pas de mauvaise intention. Mais t'es où toi? Donc voilà, on t'excusera. Mais voilà, ici c'est le fun. Gris, soit gris et voilà. 3 Tanima. Where are you from? Bah, il y a un serveur français, pourquoi t'es pas venu? Merde, t'es où? Attends. Bah, serveur français. Full? Hey, bro. Bah, non, y'a de la place, plein de place. J'arrive. Regardez comment je balançais la petite grenade en 12D. Hop. Salut, j'ai le truc passé. Livraison! If you can, make a mark. Squad leader 4, make a mark over there. Livraison! T'imagines en pleine guerre, le mec? Pietro, j'ai une question. Ouais. En fait, j'ai un projet RP de monter un gang LGBT et je voulais savoir, il fallait. Ah, faut move le. Attends, moi je tolère bien les Arabes, mais par contre, ça, non, il faut pas non plus abuser. Absolument, mais écoute, si vous avez rien à faire ici, vous bougez, vous circulez, vous êtes en train de vous sortir. Eh, maintenant. Ah, mon cousin. Tabarnak. Ah, baisse-toi. Ah putain, désolé. Il a mis un truc de ouf. Zivo? Encore lui? Mais non. Attendez, je l'ai pas vu ça. C'est à l'instant là? Il jouait? Il y a un truc à jouer là du côté des Vitality. Le premier joueur, c'est Apex qui se livre. Il est battu, mais Zivo en fait un. Zivo en fait deux. Alors peut-être Zivo le troisième. Il touche sur Prolan. Zivo qui fait très mal à l'équipe adverse là. Il est en train de terrasser l'avancée des joueurs tactiques. Le quadruple de Zivo sur la banque. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible ce joueur. Mais c'est pas possible. Mais je suis nul.
là, putain! Ce duel de noob, quoi! Encore, quoi, mais personne. Eh, je peux innocenter Anna parce que je suis sûr qu'elle ferait pas une connerie comme ça dès le début du jeu. Enfin, dans un tas, elle ferait pas ça. Non, mais tu vas pas te la jouer chevalier blanc parce que c'est une demoiselle. Arrête tes conneries, toi aussi. Mais toi, tu vas dégager, connard, aussi, par le meilleur, un peu, non? Oh, non, mais je parle normalement. Je dis, voilà, parce que c'est une tactique aussi qui marche très bien. Oui, oui, non, mais attends, bah non, mais il me connaît jeu, un peu. Attends, je la connais, on vient de commencer le jeu, c'est pour ça. Genre, oui, oui, sur internet, mais vous avez pas d'affinité propre, je veux dire. C'est mon mec, on est ensemble. Qu'est-ce que tu viens de parler sans connaître? Mon mec, donc il me connaît par cœur, en fait. Ouais, enfin, il te connaît par cœur, il connaît juste tes parties génitales, sinon, dans la tête. Yes! Alors, première game qualifiée! Beaucoup trop chaud! Hein? Quoi? Va le faire enculer, sale pute! Mais c'est quoi, jeu de merde? Bah, j'ai choisi là. Allez, y'a du monde pour reprendre. Mais non. Mais énorme! Ça va, on a le même âge, quoi. T'as 18 ans, non? Non. Quel âge? 13. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est quoi, ça? Oh, c'est trop facile, en fait. Mais... Oh, je vais péter un câble. Ouais, ça me saoule. Je suis l'ambassadeur de Cameroun, madame. Circulez, mettez-vous au totard. Ou sinon, je vais devoir procéder à la fouille. La fouille! Pardon? Je vais vous fouiller. Garde du corps. Pourquoi? Amenez-la sur le trottoir. On va la fouiller. On va la fouiller, les mecs. Cassons-nous, on va l'appeler renfort, Zabé. Miaou, Zef. Mais non! Écoute-moi bien, petit miaou. Non, chihuahua. Écoute-moi bien. Je suis avec mon miaou, là. Miaou? Miaou! Non! Miaou! C'est bon, elle va respecter la loi dorénavant. Respectez la loi la prochaine fois. Par contre, ton chat, il risque pas de se faire un torticolis, là, comment il est? Non, non, t'inquiète, il gère, il ça fait des années. T'as souplesse. Parce qu'on dirait qu'il s'autosuce un peu, là. Reste souple. Je les vois pas progresser, dites-moi si vous avez un visuel. Azimut 114 RAS. Mais... C'est qui? Mais, Keizo, qu'est-ce qui s'est passé? Que penses-tu de ta relation avec mon père? Il est mort. Paix à son âme, je rejoins ton club. Ah, on est ensemble. T'as regardé? What the fuck? Moi j'ai pas cliqué. Hein. T'as cliqué? Ouais. What the fuck, t'es un ouf. Ah! Oh ah ouais, ok. Mais je crois que j'ai reconnu le mec, le pote à... Le pote d'Akaru là. Là, le pote jus? Ouais, regarde, je crois que c'est lui là-haut, non? À gauche là? Non, non, mais remonte un peu les photos. Il y a des trucs hard ou pas? J'étais sur un lieu de drague à poil, et voilà, je servais de trou, et les mecs, toute la nuit, ont défilé dans mon trou, quoi. Ouais, quand même. Non, mais regarde. Le poste du 14 ah octobre. C'est lui ah, là? Ouais, t'as raison, c'est lui. Il est dessus? Dis-moi dessus. Ah, ah ouais, c'est lui, c'est son... la photo juste en bas. Ah, j'ai envie de dégueuler. Tu es plus un rat des villes ou un rat des champs? Je suis un rat d'égout. Non, j'ai proposé rat des villes ou rat des... Bon, tu me diras, c'est pas rien. Descends. Hein. Où veux-tu aller pour tes prochaines vacances? J'aimerais aller à Cabreton avec toi. Avec plaisir. Peux-tu sortir avec une personne beaucoup plus ou moins âgée que toi? 16 ans est ma limite. Je suis sorti avec une fille de 16 ans il n'y a pas si longtemps que ça et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et j'ai fini en prison. Non, non, j'en ai parlé à ses parents et je l'ai entretenu, la demoiselle en question. Et ses parents n'ont rien, vu que je suis une personne, on va dire, je suis une personnalité un peu connue sur Internet. Tu vas t'apprendre à me connaître. Et non, absolument rien. Je ne connais pas, désolé. Ces temps qui engendrent un peu la mélancolie, j'ai quelque chose à vous avouer. C'est quoi? Pendant la guerre, j'ai caché dans le grenier une jeune fille pour lui éviter les camps de concentration. Vous allez me dire, c'est tout à mon honneur, certes. Mais cependant, je dois avouer que cette jeune fille, parfois, a fait quelques gâteries. Quoi? Attends, monsieur... Ah ben, je sais pas s'il est encore dans mon live. Eh ben, tu lui envoies un message et tu lui dis que je suis intéressé, sale pute. Mais... Pas comme ça, heureusement qu'elle est friendly.
cela réduit peut-être un peu mon acte, la grandeur de mon acte, mais bon, on est humain. Et je me trouve devant le cas de conscience suivant. Est-ce que je dois lui avouer que la guerre est terminée? Regardez-moi ce trou du cul, de c'est mort. Ouais, c'est à moi que tu parles, hein. Ouais, c'est à toi que je parle. En fait. Ouais, c'est à toi que je parle. T'écoutes les autres, mais t'es... Je veux pas ta chanson. Ah, espèce de trou du cul, nique ta grand-mère la pute. Nique ta grand-mère la pute. Espèce d'enculé de tes morts. Oh, je vais te baiser ta mère. Oh, tu vas rien comprendre. Espèce de fils de pute. Voilà, va niquer ta pute de mère. Mais va niquer ta pute de mère. De rager, pourquoi tu rages? Lui, là. On l'a vu. Tu joues un ou plusieurs instruments de musique, sinon qu'aimerais-tu apprendre? Hey Paul, ça va ou quoi? Je joue que de la flûte et j'aimerais bien jouer du saxophone. Ok. Quels sont tes projets pour cette année? Léana, tu dors! Te dire de fermer ta gueule, grosse pute, avec ton gamin et va t'en occuper, sale chienne! Je déteste les mecs qui tombent comme ça, c'est vrai. On dirait des agents. Les mecs qui récupèrent en mode récupéring des mères célibataires, ces mecs là sérieux quoi. Ils se branlent quoi? Oh la 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 la. Aïe oh, non mais allô quoi. Normal. Mais non. Mais ça offre le mec. Oh désolé mon bébé. Oh putain. Bon attends, un coup je reviens, je vais coucher Brian. Ah enfin on a gagné les gars, c'est bon. Merci aux branleurs. Bravo, belle beat, merci, grâce à toi. Pour une fois qu'une beat peut servir les gars. Et quelle meilleure chute pour terminer ce live. N'oubliez pas, la bête une fête. Prenez-la comme du velours, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et ciao, bon dimanche les mecs, ciao, ciao. Super bullshit.